Hey, salut à tous et à toutes, bande de petites truc. Je vous dis, on se retrouve sur Minecraft modé parce que j'ai envie de vous montrer tout simplement quelque chose. Ici, en fait, j'ai 236, 231 modes. Donc, on est sur Minecraft. On est sur Minecraft, quoi. Et je peux vous montrer. Mon nouveau skin, je fais un loulou pour Emani, un split, on change. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire? Bah, écoutez, on va aller en bas. Comme vous voyez, il y a quand même pas mal de mods. Ce que je vais faire aussi, c'est que vu que je commence l'aventure, je vais m'offrir quelque chose. Donc, je vais m'offrir quoi? Bah, je vais m'offrir ça tout simplement. Donc, je vais tout simplement déjà faire autre chose aussi, c'est que pas pris le bon shader théoriquement. Voilà, je vais faire cela. Donc du coup je suis dans les 100 FPS hein, quand il arrive, c'est donc assez bon. Bon, vous c'est du 25%, donc ça change pas grand chose. Oula, qu'est-ce qui se passe? Et pourquoi je bug? Medium. Ouais, c'est rien, c'est un bug. Lâche. Soupçonne que ce soit la porte. Pas pourquoi elle est buggée comme ça. Donc, je voulais vous montrer quelque chose avant que ça bug. Comme vous voyez, on a 60 FPS constant. Donc, il y a de temps en temps ça descend parce qu'il y a des charges de chunk, mais on est à un bon niveau. Vous. Donc la vidéo sera fluide. Par contre, c'est quand même bizarre cette histoire de porte qui bug. Je sais pas pourquoi ça fait ça. Ça a pas fait ça avec celle-là, non? Lui aussi? Bah non. Là, c'est bizarre. J'ai pas compris ce qui s'est passé. C'est assez étrange comme bug. C'est un bug ordinaire. Tiens. Bah ouais, ça bug plus. Bon, ça restera un mystère pourquoi ça a bugué. Donc vous voyez un peu, il y a un truc qui me permet de savoir ce qui est écrit aussi. Donc quand je tourne des vidéos, je mettrai ces shaders là. Ça évite d'avoir des sortes de fuites de mémoire, donc des bugs En fait, si vous voulez, il y a certains shaders qui ça pompe trop. Et du coup, ce qui se passe, c'est que j'ai des fuites. On appelle ça des fuites de mémoire, en fait, c'est qu'il n'y a pas assez de... Enfin, c'est pas qu'il n'y a pas assez de RAM, mais en tout cas, mon truc graphique a beaucoup de mal avec à charger des trucs, et du coup, ça provoque ce genre de soucis. Donc, faites pas attention où ça marque où j'étais mort, hein. Ça, c'est pas très important. En effet, j'ai crevé, il montre où le casque, le Moria là. Je le montre où? Je ne vois plus. Ah, c'est marrant, je ne le vois plus. Bon voilà, comme vous voyez, j'ai une carte. Allez là. Ça. Il suffit de supprimer. Là. Hop. Et voilà, c'est bon. C'est quand je meurs, en fait. Mais en fait, ça fait beaucoup d'en fait. Si j'arrivais à parler correctement, merci, bordel de merde. Si vous voulez, ce que j'ai fait, c'est que... C'est quoi ça? Et ça s'est foutu. Ça n'a servi à rien ce que j'ai fait là. Bon, soit, peu importe. C'est pas fonctionnel à 100%. Alors ici, vu que je débute l'aventure, moi par exemple, j'ai prévu de m'offrir un mob. On est dans mots créatures pour information. Donc je vais vous montrer. Je sais, j'arrive pas à parler correctement. Donc on est dans mots créatures.
Je m'en mêle les pinceaux, c'est un truc de taré. On n'est pas dans mot créature, il y a bel et bien mot créature dedans, oui, dans le mode que j'ai, il y a mot créature. Donc oui, jusque-là on est d'accord, mais on n'est pas dans mot créature. On est tout simplement dans un jeu avec 231 modes. Donc c'est la 1.12.2 pour information, donc c'est pas la 1.16, hein, parce que la 1.16, j'en ai un, c'est 1.16.5. J'ai 40 modes dessus, mais c'est un Minecraft que j'ai fait manuellement. Comme vous voyez, c'est bordel total, il a blindé tout de modes, on ne sait plus où en mettre la tête, tant mieux. J'adore ça. De plus que j'ai ajouté des modes, hein, comme justement ça, pour pouvoir me créer un truc, c'est un Skunstone NPC. Et en fait, permet de mettre tout ce que vous voulez. Regardez, vous pouvez même avoir des mobs spéciaux. Vous montre un peu ce qu'il y a, hein, grâce à ça. Et du coup, je vais me créer un mob qui me suivra en fait. Le plaisir et qui attaquera. Je peux vraiment choisir n'importe quel mob. Comme vous voyez, tout y passe, même moi-même apparemment. Vous voyez. Ça va très loin. C'est des trucs de même, mais je pourrais tout un autre machin. On peut regarder ce qu'il y a. Et moi je cherche un loup, le loup de mots créatures en fait. Que je trouve assez sympa. On a celui-là au cas où si je le trouve pas. On est d'accord. C'est quoi Coyote? Oh regardez comme il est mignon. Aussi un dragon. Et le truc c'est qu'il est moins beau ce dragon. Il faudra que j'ajoute le truc moon machin. Je ferais ça plus. Ah voilà, mot créature apparemment. Ah voilà, regardez, je peux avoir à mettre des mobs. Bon, pas celui-là. Hein. Je cherche le bon. C'était celui-ci qu'il me fallait. Oui, c'est celui-ci que je veux. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire des rencontres. Montre un peu ce que je fais, comme ça vous savez qu'est-ce qu'il faut faire. Et du coup, en fait, je lui ai donné un job à la con, c'est le job follow. Donc, je vais marquer comme quoi il me suit indéfiniment. Et là, on va mettre par exemple 99 jours et on va mettre un poulet. Voilà, c'est pas compliqué, on va pas faire un truc trop complexe. Et du coup, grâce à ça, il va me suivre et il va me protéger. Donc, on va bien vérifier qu'il puisse attaquer les mobs. On va même mettre qu'il attaque les méchants mobs. Donc il peut marcher, animation, hein, tout ça c'est bon. Et du coup ce sera un mob qui m'aidera dans mon aventure, qui fonctionne correctement bien sûr. On va spawn santé. Alors, unisé au feu. Vous le faites, non. Peut se noyer, non. Pas de dégâts. Non, voilà, je dis non à tout. Donc il est invulnérable en bref, hein. Je rends carrément invulnérable. Mais par contre, il peut me défendre. Normalement. Voilà. Et du coup, ce qui se passe, c'est qu'il est là. Il ne fera rien parce que, comme j'ai dit, c'est un de base, c'est un chien qui est trafiqué avec mon créature. Mais si je lui parle, voilà, ce qui se passe. Non, là je me suis trompé, veuillez m'excuser. Si je lui parle avec un autre bouton, voilà ce qui se passe, et il propose l'embauchement. Bon, ici j'ai pas de poulet. Donc je vais m'en récupérer un manuellement parce que je vais pas me prendre la tête, hein, j'en avais un. Pas pour un poulet que je vais mourir, quoi, et je m'en prends, je fais ce que je veux.
Non mais non. Oula. Hop. Voilà, ça je fais disparaître parce que je n'ai plus besoin. Et du coup, je vais hop, lui parler et lui donner et l'embaucher. Et du coup, maintenant, il me suivra partout où je vais. Voilà. Voilà comment avoir un mob avec vous. Et du coup, je vais me remettre en. Je vais aller dans ma maison et je vais me remettre en truc parce que je vais me faire déglinguer, je le sens. Et du coup, comme vous voyez, il me suit et il me, normalement, il devrait me protéger. Si c'est pas le cas, c'est pas très grave. Ça fait quand même un compagnon invincible et c'est Ned dans l'aventure, quoi. Attendez. Je cherche juste où est ma maison. Elle est là, mais j'ai jamais compris comment y rentrer facilement. Même pas en fait, parce qu'il y en a deux. Peut-être celle-là en fait. Putain, je sais pas laquelle c'est. Ah, c'est nul. Oh, lol, il est comique. Lui. Ah, je suis un peu dans la merde là en fait, parce que je sais pas du tout quelle maison c'était la mienne. C'est un peu con. Celle-là? Bon, pourquoi je suis pas rentré? Non. Je me rappelle pas de cette maison-là. Ce n'est pas celle-ci. Par contre, elle me plaît bien, cette maison-ci. Donc, je vais peut-être la chourafier. Bon. Pour la, ici, exceptionnellement, on va mettre slash time 7D parce que j'ai pas envie de me prendre le cul. Je fais ce que je veux, c'est ma chaîne. Puisqu'il n'y a personne qui regarde ce que je fais de toute façon. Et ici, c'est surtout que je suis en explication. Et vu que je me mets dans game mode 0, s'il y a des monstres, je vais me faire déglinguer pas possible parce que j'ai pas vraiment de niveau, quoi. Et vu que j'ai paumé ma maison, je sais que c'est sûrement l'autre à ce moment-là. Et voilà, là par exemple, je suis apparemment coincé. Putain de merde, c'est quoi cette maison de merde? On va descendre. Ah oui, c'était chez quelqu'un. Je n'arrive pas à partir. Désolé de vous avoir dérangé, monsieur. Je me suis gouré de maison. Du coup, comme vous voyez, il ne m'attaquera pas, hein, c'est mon collègue. Et on va voir s'il m'attaque. Ouais. C'est ce souci qui ne me défend pas. C'est à modifier ça, on modifiera ça après. C'est un truc à améliorer. Et comme vous voyez, il est invulnérable. Mais c'est cool de l'avoir comme compagnon, quoi. Mais c'est pas ici ma maison. Ma maison, je sais plus où je l'ai foutue. Vu que c'est pas celle-là, ça doit être celle-là là-bas, du coup. Allez, Canox. Je te réglerai pour que tu puisses attaquer par la suite. Je sais que non, je pense savoir comment il peut faire, mais on verra ça plus tard. Je ferai ça en hors truc. Le but, c'est d'avoir un compagnon, donc. Il est fonctionnel, c'est encore mieux, mais bon, c'est pas grave. L'important ici, c'est juste vite montrer la vidéo de ça. Ouais, bon, après, il y a un peu de mal à me suivre. Voilà, j'habite, donc c'était bien ici. Ah, venez rentrer, monsieur. Bon, il est trop gros, il sait pas rentrer, c'est pas... On va se quitter ici, hein. Je pense qu'on a, j'ai montré le plus de choses intéressantes. Du coup, ici, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement modifier encore le personnage. Mais ça, je ferai extérieurement. Je pourrais peut-être faire que je puisse le monter, mais le problème, c'est que j'ai l'impression, il me semble que la dernière fois, quand j'avais fait des modifs de ça, il y a eu quelques petits bugs. Donc, c'est à voir. Mais ici, je vous dis à bientôt, bande de truffes. J'espère que cette vidéo sympa vous a plu. Et je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo tout mou. Bye bye, bande de truffes. Peut-être que je ferai d'autres vidéos, mais bon, let's play, ça m'intéresse pas.
Il n'y a personne qui regarde mes vidéos, c'est pour ça. Allez voir ma chaîne, vous allez voir qu'il n'y a aucune vue.